Pam, 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 pam. J'aime trop ce jeu. Yeah, baby. Allô. Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue de nouveau pour un nouvel encore épisode de Crooks The Big Heist. J'avais pas éteint ça, moi. Alors, nous sommes toujours sur la mission 15 dans le club Flamingo pour aller propager un gaz pour endormir tous les matelots pour pouvoir voler. Pour aller voler un petit sous-marin. Mais pour l'instant, nous sommes presque dans la boîte. Alors, on était là. On a quand même pas mal avancé. On avait enlevé pas mal de grilles. De grilles de laser, quoi. Alors, je suis en train de me dire que... comment je fais? Il faut qu'on aille là. Tableau de distrib... Ah! Il faudrait... envoyer Lobkowitz ici. Est-ce que lui, on peut le... on peut pas, bien sûr. Ah, mais il y a quoi là-dessous? Eh, mais c'est Cléo sur l'affiche. C'est elle. C'est trop drôle. Alors, nous avons une fourche Tesla. Mais on a aussi une caméra qui est fonctionnelle. Caméra qui se désactive ici. Oh la vache, ouais. Pour arriver ici... Ouais, c'est compliqué quand même. Faudrait que on se... Faut aller dans le merdier là. De toute façon, il faut aller dans ce merdier là pour activer ici. De toute façon, la sortie est là. Donc on va y arriver. Vous croyez pas? Commutateur principal. D'accord. Cette porte s'ouvre là. Ah, et elle ouvre pas mal de trucs. Pour accéder ici. Ouais. Il y a un truc... Oh, il y a des sous ici. Oh, il faudrait arriver là. Ce serait intéressant de venir là. Faut désactiver pas mal de choses. Ah, c'est tous les trucs... c'est tout ça, en fait. D'accord. Mais pour arriver là, il faut passer là. Pour passer là. Il faut être là! Attendez, parce que là, il faut que je vois bien, parce que... D'accord. D'accord. Et cette porte-là, moi, je l'avais ouverte définitivement. Donc, je peux arriver ici. Je peux arriver sur l'espèce de, je sais pas, la dance floor. Mais en fait, pour rentrer... Ah, ben non, il faut que je porte... Il faut que j'ouvre ici, tout simplement, en fait. Ok. Bon, ok, alors du coup, il faut que j'envoie Bishop. Bishop! Je suis prêt. Tu es prêt? Bishop, t'es où? Ouais, ils sont là. Le mec, il est là. Ok. Et lui, il est parti. Ok, Bishop, Lobko. J'ai pas Lobkowitz! Bah non, j'ai pas Lobkowitz, mais j'ai tellement l'habitude de l'avoir que... Oui, bah j'avais oublié que j'avais pas Lobkowitz. Ah, parce que pour défaire ça, il faut choper ça, mais pour choper ça, il faut désactiver ça, et pour désactiver ça, il faut aller là. Alors attendez, que je reparte dans mes trucs, parce que là, c'est un truc de avec des portes. Ok, donc ouais, donc c'est possible quand même. On est sur une possibilité. Je vais prendre Cléo avec moi. On va voir... Donc lui, il part par là. Donc on est bien. Est-ce que vous pouvez aller là? Non, mais tu vas... Non. Derrière, là. Serrure à crocheter. Ah oui, d'accord. Le mec, il regarde... Ok, alors attends. Donc si on passe par là, il faudrait qu'il ait le dos tourné. Vous pouvez venir là. Alors? Faut pas que je me gourre. Non, mais non, pas ce côté-là, cocotte.
Donc lui, il revient pas parce que là, il serait en ligne de mire. Ok. Ok. Lui, il va être comme ça et puis après, il regarde par là. Donc, le peut-être ici. Mais non, mais arrête avec. Je t'ai dit d'aller là. Voilà. C'est quoi le topo? Et toi aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va avoir le temps, lui? C'est bon ici, est-ce qu'il y a une caméra? Une caméra là, et le mec ne pourra pas les voir. Ok, je pense que c'est bon. On va tenter. Logiquement, il devrait avoir assez de temps, le temps qu'il arrive. Par contre, elle... Quand vous voulez. Arrête de vouloir réactiver le machin! Tu me stresses. Voilà, je croise les doigts. Ouais! Oh oh oh! Oh putain! Pardon, excusez-moi. Cette justesse, par contre, cocotte! Bouge de là! J'étais mon focus sur Bishop. En même temps, mais elle peut se retrouver dans leur périmètre comme ça, en fait. Il nous faudrait ça. Alors, ok. Ok. Zen, zen, zen. Les autres sont bien planqués, il n'y a aucun souci, ils n'auront pas de ce problème. Ok, j'ai réussi à faire passer Bishop. Elle est là. Normalement, dès qu'il retourne le dos, on l'a fait passer. Mais non. Mais non, j'ai fait monter ma jauge. Oh. Mais arrête avec ce truc. Oh, tu me stresses. En plus, elle est toujours en train de danser comme une abrutie. Elle pourrait y aller là. Hein. Il regarde pas. Attendez, je vérifie. Il va pas aller là. Il vient ici. Ok. Allez, on tente. Ok. Mince, je dois faire venir l'autre. Oh là là, mes cheveux. Ah, je suis obligée de tous les faire passer. Bon. Il est où le mec est là. Bon, c'est vrai, on va y aller. On va tous y aller. Je vais envoyer Nono. Nono, le petit robot. Non, c'est intéressant s'il reste là, hein, si je dis pas de conneries. Hein. C'était pour quoi déjà? Pour la porte là-bas. Nono, tu vas venir là. Toi, t'es de corvée ici. Et j'ai besoin de Rufus là-bas. Ouais. Parce que s'il se pointe. Ok. Je regarde son radar. Ouais, non. Non. Reviens là. Parce que t'as lui qui arrive et je voudrais pas qu'on se fasse choper bêtement. Je préfère qu'ils reprennent leur garde et après on y va. Ok, c'est bon. Oh, j'ai stress, moi. Mais non, pas par là, mais ils ont un problème aussi. Mais arrêtez avec ce truc. Ouh, dis donc. Et en plus, j'ai même pas appuyé. Fichtre. Normalement, c'est bon, il va pas le voir. Eh, moi je vous jure, hein, ce jeu, il est stressant. Eux, ils sont bien planqués d'avant, ça va. Ah, mais non, je me suis encore fait avoir! Oh, j'en ai marre de moi!
J'ai fait exactement la même connerie. C'est pas possible. Ça va, ça monte pas beaucoup. J'ai des aimants, mais bon, quand même. Et là, il voit la porte, donc je bouge pas. Mazette, c'est pas possible d'être aussi bête, hein. Ouais, mais comment je peux deviner que là, par rapport à là, son angle de vue, il est censé être comme ça. Moi, je... Voilà, hein. Ouais. On va rester tranquille, parce que là, il voit tout. On est tout prêt. RAS, repli. Reviens là. Je vous jure. Viens là. Ok. Ouh. Allez, je respire un coup là. Ah non, mais quand même. On va péter le mur. Le mur fait un petit peu de bruit. Un petit peu de bruit, sa mère. On va le casser maintenant. Ça devrait aller. Ouais, nickel. Très bien. Mets-toi là. Je pense pas que lui va voir le trou. S'il le voit, on est dans la merde noire. Parce que là, j'ai 3 mecs à planquer. Et... On va voir la réponse. Non! Ah, j'ai du bol. Ok, bon. Il faut ouvrir ici. Alors, pour chercher les sous, pour activer... Ah, pour désactiver tous les trucs. Ok, on va le faire. On va le faire, je vais envoyer Cléo. Cléo, parce qu'elle est rapide. Et le temps que... tu vas venir là. Là. je gère. Enfin, j'espère, parce que là, il y a des fois où... Maintenant que Jean-Roberto, là, lui, il passe la porte là-bas, je vois. Ok, toi, tu actives ça. On y va. Tu peux... Ah, puis c'est un interrupteur lourd. Je suis trop con, moi, des fois. Faut que je l'envoie lui. Mais oui, bah, prends, t'as raison. Je vais me réactiver ça parce que... Oui. Toi, t'as récupéré les sous. Tu peux revenir. Ouais. Ok. Oh, tous les trucs ont été désactivés. Ça, c'est bon. Je peux revenir là. La porte... attendez que je revienne. C'est ça. C'est ça qui ouvre les portes. Ok. Et là, en l'occurrence, faudra qu'on entre ici pour faire les caméras. Ok, c'est bon. Je commence à avoir tout dans la tête. Je vais laisser pour l'instant Rufus et Nono, le petit robot, à cet endroit-là. Je vais faire passer... Ok. Je vais venir là et tu... Ouvrir. On va y arriver. Ah ouais, mais le truc de cam. Mmh, on va se faire choper. Ok. À moins que t'as... Non. Bah non, hein. C'est toujours les mêmes. C'est quand vous, je vous le voule. Ouais. Il revient, lui. Mais t'es rapide, donc tu vas pouvoir me faire ça. Et puis, logiquement, c'est bon. Ouais, nickel. Tu fais ça. Oui. Du coup, toi, tu feras... Voilà. Alors ? Tu reviens là.
Ça, moi, ma jauge, elle redescend. Voilà, je suis en passe en incognito et j'ai plus de problème de caméra. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Alors, prochaine étape, ce truc-là. Ah, ce truc-là est quand même intéressant. Pour aller au safe. Tu peux aller là. Une serrure à crocheter. Une bar mitzvah organisée. Juste... Voilà. Ensuite... Reviens là. Ah oui, parce que ça... Attendez, ça ouvre là. Il faudrait que j'envoie quelqu'un. Est-ce que Nono, le petit robot, m'est encore utile là où il est? Faut que je... Ouais, bah, de toute façon, il faut que je sorte Rufus de là. Donc forcément, j'ai envie de dire oui. Tu vas activer Nono. Il est où, là? T'actives ça. Et on va sortir Rufus. Vite, 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 vite. Bon, on a récupéré le safe. Ta, 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 ta. Bon. Je suis prêt. Tu es prêt. Pour l'instant, on peut pas le récup. Oui. Toi. Nono. Nono. Nono, mon petit robot. Ah, on a plus de problème de cam. C'est trop bien. Ah ouais, puis alors... Ok, Nono, le petit robot, de toute façon, lui, il craint rien. Tu peux même venir jusque-là, j'ai envie de dire. Tranquillou, bilou. On n'a plus besoin de toi à cet endroit, je crois. On va faire revenir notre ami Bishop. Ok. Coureuse parée, tu vas revenir là. Ok. Là, c'est Nono qui se fait voir, mais pas voir. Donc, il va falloir qu'on s'organise. Tu vas venir là. Arrêtez de vouloir interagir avec ces trucs. Tu te mets... Dans ce cas, tu te mets... Là. Voilà. Ça, il sera tout prêt. Il sera tout prêt, tout prêt, tout prêt. Ça, c'est sert à quoi déjà? J'ai complètement oublié. Ah, il y a encore des sous. C'est quoi, ça? Ça, c'est une porte... Ah oui, d'accord. On est un petit peu obligé d'aller là, en fait. Ça, c'est quoi comme garde? Ah, il résiste et tout. Ok. Je peux pas le coincer dans une pièce. Là, j'ai pris un bloc-porte et il va même pas me servir. Non mais la blague. Ça, ça désactive ici. Ah oui. Ouais, après c'est pas très utile, mais bon. Une fourche Tesla, on va peut-être aller la chercher. Ouais, ah ouais, 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 je veux. Donc ouais, au final, tu vas peut-être... Tu vas peut-être désactiver ça. Voilà. Lui, il est parti. Tu vas me chercher la fourche. Mais non! Mais je pensais pas qu'il le verrait! C'est fini. Mais non! Mais c'est complètement con! Oh! J'étais tellement bien parti là. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Ah non, je suis désolée. Normalement, il le voit pas et tout, et là, il l'a vu, quoi. Genre, il a été perspicace, quoi. Ben, c'est pas grave, hein, on recommence. Oui, en plus, ça m'a save là. Je vais remettre les infos. Robomatique, ben, Coco. Mets-toi là, alors, écoute. Sinon, l'autre, il va te griller. Toi. Ah oui, toi, oui. J'étais... Normalement, c'est bon, hein, il va pas le voir, là. Non, c'est bon. Là, elle a récupéré. Il est pas dans la ligne de mire. Tu peux revenir, stop. Tu serais perfecto, mademoiselle. Eh ben non! Elle s'est fait eu! Oh, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi je suis si nulle que ça dans ce jeu? Dites-le-moi!
Mais ah ouais, elle se fait encore voir. Mais meuf. Mais c'est pas vrai. Au travail. Mais pourquoi j'ai pas de chance aujourd'hui? Ça va barder. Voilà, ça c'est oui. On y va. Ah oui, ça va barder, oui. Je viens te chercher. C'est bon. Bon, il s'est planqué là-bas. Comment ça a pu arriver? Bon, j'en ai marre hein, de moi-même, mais bon, ça va, j'ai pas une jauge qui est montée excessivement. Là, ils sont là-bas, après, ils pourraient pas aller plus loin, hein, par se mettre ici. Ouais. Bon. Tout ça parce que... Ah, je vous jure. Hein. Il est trop intelligent, là, Jean-Kévin. Je vais y arriver, hein. J'attends juste qu'il reparte. Donc elle récupère la fourche Tess, là. Oui. Ouais. Lui, il va revenir. On va peut-être pas trop tenter. Je réfléchis à voix complètement basse. Il faut que je me retrouve là, oui, pour ouvrir ça, pour aller là, ouais. Ok. Bon, on va aller préparer les enfants. Alors ? Ah, Cléo, franchement, Tu pues du cul, hein. On va attendre que lui vienne. Et dès qu'il sera parti, j'activerai. Oui. Pas trop vite parce que de toute façon elle est tellement rapide. Attention. Hop, il repart. Tu peux aller là. Et maintenant. Tu vas là, toi. Je suis prêt. Toi, tu vas là aussi. Et le nono. Ah nono, putain, mais c'est pile quand il revient, l'autre aussi. Il revient vers lui et tout, donc ça va être chaud. Non, mais je vous jure, je vais pas y arriver, hein. Ou alors, faudrait mettre nono ici, qui est invisible. Et envoyer Cléo. C'est une solution comme une autre. Si je n'y arrive point. Celle-là, elle enclenche le truc. Attendez, il peut peut-être y aller... Avant de se faire voir. Ouais. Le courant est rétabli et le dance floor m'appelle. Disco. Disco. De toute façon, là, il va falloir qu'elle bouge de là parce qu'elle pourra pas rester. Donc toi, tu t'apprêtes. Tu peux, du coup. Ok. Parce que lui va arriver aussi. Hein. Et j'attends juste de pouvoir faire sortir Nono. Ok, c'est bon. Cléo. Quand vous voulez. Tu viens. Dépêche-toi. Ok, c'est bon. Ça, c'est ouvert. Mince, il faut que j'envoie Cléo quand même. Je réfléchisse. Oui, de toute façon, pour ouvrir les portes, sinon je peux pas. Pour aller... Ouais, ce serait limite plus safe d'aller par là que de venir là. Donc, je sais pas. On a quand même... Il y avait des sous, non? Quelque part ici? Oui, il y a des sous, là. Donc, il faut ouvrir la porte. Donc, Cléo. Cléo, 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 toi, tu vas venir là. Ouais, il me fait peur, lui, maintenant. Il fait tellement de conneries. Tu vas venir, là. Coureuse parée. Cléo, Cléo. Okay. Faut que t'ailles là. C'est chaud. Parce qu'avec lui... Ça va être chaud patate. Ta-da-da-ta-ta-da-da. Et après, tu te mettras là.
Oui! Je suis en train de me demander si elle va pas se faire griller en étant là, donc je vais la mettre plutôt là. Donc... Attendez, cette porte-là, elle s'ouvre toujours pas. Il faut l'activer là. Là, je peux partir. Cléo, elle peut passer par là. Elle active ce truc-là. Et les autres peuvent venir. Mais c'est-à-dire qu'il y a un trésor qu'on prend pas. J'en ai 4 sur 6, donc là c'est le 5ème. Il y en a un que j'ai pas vu. Hein? Où c'est que t'es, Tilo? Hein? Tchoubloute! Je ne sais pas. Je ne l'ai point vu. Ça, c'est là d'où on est arrivé. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Non, elle va se faire griller, là. Non, ça va, elle bouge. Ouais, elle se serait fait vue. J'attends juste qu'il passe. Viens là. Tu peux venir là. Ah si, il y a lui. Toi, tu risques rien. Tu peux venir là. Alors ? Que lui, non, viens. Ok. Ah ouais, parce qu'il y a son champ de vision qui allait jusque là, donc elle se serait forcément voir. Ok, alors on est là. On va dire que pour cet épisode-là, je finis ce niveau parce que je suis à 2 doigts de le finir. Ce serait dommage. Cette porte-là, tu peux l'ouvrir. Nono, il peut l'ouvrir. Si on l'ouvre. On passe là. Là, on va... Ah bah oui. Et puis, on peut chercher les sous. Ah, mais c'est tout simple, alors, les enfants. Oui. Bah oui, écoutez. Nono, il va activer ça. On y va. On y va, ouais. Toi. Tu vas venir. Tac. Et tac. Je pense que comme t'es une rapida... speedy rapida... On a les sous. Hop, on ouvre la porte là et on est bien. Oui, 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 oui. Faut juste maintenant faire escape les deux. J'adore cette musique. C'est quand vous voulez. C'est quand je veux, ben là tu viens là pour l'instant. Juste pour voilà. Maintenant, on va faire échapper les deux derniers. On va passer par là. C'est bien. Alors que ici, c'est un peu plus tendax quand même. Bon. Je vais juste faire récupérer le brouilleur de caméra pour Bishop. Donc tu vas pouvoir le prendre. Tu viens là. Même là. Ouais. Rufus, tu viens faire des câlins à ton pote. Et dès que lui, il est passé... Ok, c'est parti mon kiki. À partir de, du moment que voilà, je préfère gérer comme ça. Non mais tu vas pas monter dans la... Il va monter dans les aérations, c'est pas toi qui va monter dans les aérations. Il y a ce truc là qui est dans sa... Mais lui il avance aussi, donc je pense que c'est bon. Nous avons trouvé 5 trésors sur 6, mais il était où le 6 Le 13. Je sais pas. Un endroit, une pièce où je suis pas allée. Ah oui, là. Ouais, mais avec lui, c'était tendu. Hein, quand même. Bon, bah les enfants, on a gagné. Bon, c'était qu'une partie, hein. Faire pour que tous ces marins viennent faire la fête ici et pas ailleurs. Un de leurs lieutenants n'arrête pas de s'inscrire à des concours. À ce stade, il a perdu le fil. Et César voulait nous remercier de l'avoir sauvé.
Du coup, figurez-vous que ce bon lieutenant a remporté la loterie Largo. Une nuit en boîte avec bière à volonté pour toute la troupe. Ah bah dis donc. Une nuit en boîte avec bière à volonté pour toute la troupe. D'accord, il y a eu un petit bug, hein, il a juste répété. Des coups à l'œil et des matelots bien gaulés. Ah, les matelots bien gaulés. Direction le système d'aération. Bah ouais, mais pas pour toi, ma belle. Et ce sera pas pour aujourd'hui. La suite de ce niveau... On va juste faire un aperçu, là. D'accord. Et ben, ce sera pour la semaine prochaine, écoutez. Hein. Avec la... Oh la vache, les lasers de fou, quoi. Ce sera pour la semaine prochaine, avec la facette. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager ma chaîne, tout ça, et à regarder des pubs sur la page YouTube. Un très gros bisou et à très bientôt pour Crooks ou autre chose. Salut !